On attend notre chauffeur pour partir à Marsa-Alam. Du coup, on a passé donc une nuit à Hurghada. C'était juste la nuit de transition parce qu'en fait, hier, on est arrivé tard avec notre avion. Et là, du coup, on cherchait un chauffeur en fait, pour nous emmener jusqu'à Marsa-Alam. Il y a 2h, 2h30 de route. Et du coup, on a rencontré un guest dans notre hostel qui nous a dit bah, en fait, moi, je viendrai bien avec vous sur Marsa-Alam. Il est égyptien, mais il habite en Hollande, du coup. Et donc, il vient avec nous sur Marsa-Alam. À ce moment-là, on ne savait pas encore qu'on allait partager une grande partie de notre voyage avec Mustapha, alias Mo. Là, on s'arrête un petit peu donc pour boire un petit thé avec Mustapha et notre chauffeur qui nous emmène jusqu'à Marsa-Alam. Puis on va reprendre la route après. Je pense qu'il nous reste à peu près une heure de route. Hier, on est arrivé de nuit. On n'a aucune idée de ce que ça donne. Ah ouais, cool, on voit la mer là-bas. On voit la mer là-bas et de ce côté-là... Oh, de ce côté-là, c'est hyper désertique. Tout là, c'est que du désert. En fait, on est en plein milieu. On va pas te cacher qu'être dans un resort en Égypte, c'est comme être dans une bulle. Tu découvres pas vraiment la culture égyptienne. Alors tu vas nous dire, bah, qu'est-ce qu'on fait là? On a choisi de venir ici simplement pour sa plage privée au fond marin extraordinaire. Quand on parle d'Égypte, on pense souvent pyramides, temples, croisières sur le Nil. Mais il faut pas oublier le joyau qui est la mer Rouge et on voulait surtout pas rater ça. Maintenant, on t'emmène avec nous pour vivre une expérience juste incroyable. Et c'est sans doute l'une des plus belles de notre vie. On part pour une journée en mer au départ de Marsa-Alam. Et ne t'inquiète pas, on te met toutes les informations en description si toi aussi tu veux vivre cette expérience. Qui c'est qu'on retrouve là? Après avoir retrouvé Mo, on part sur Sataya Reef. Alors c'est un récif qui est en pleine mer à peu près 10 km des côtes. Et si on va là-bas, c'est que si on a un petit peu de chance, on va pouvoir nager avec des dauphins à long bec. Alors ils sont pas tout le temps dans la baie, ils restent juste pour se reposer et nourrir leurs petits. Parce qu'avec la baie, ils sont protégés des vagues. C'est un site qui est depuis peu une réserve naturelle. Donc il y a des règles strictes, avec par exemple des zones délimitées, donc pour les plongeurs bouteilles, une zone pour les personnes comme nous, donc en snorkeling. Et où on a une grande majorité qui est interdite d'accès et qui est réservée aux dauphins. Mon amour, il est en train de négocier pour qu'on ait un meilleur prix. Il appelle directement l'hôtel. On va voir s'il est bon en négociation. En voyage, tu seras souvent amené à faire plein de rencontres. Certaines personnes partageront un bout de chemin avec toi et d'autres deviendront même de vrais amis. C'est le cas de Mo qui a partagé un bon bout d'aventure avec nous. Les rencontres de voyage sont si intenses que finalement, les adieux deviennent souvent des au revoir. Qui c'est qu'on retrouve là? Bon, on termine cette vidéo sur cette expérience juste magique, notre snorkeling avec les dauphins. On en reparlait un peu hier avec Joachim, mais franchement, c'était juste une expérience trop magique. Si tu viens en Égypte, on te le conseille à 100%. Les dauphins sont vraiment en pleine mer, en liberté, c'est des dauphins sauvages et... Enfin voilà, c'était juste une expérience extraordinaire, on était seul au monde avec eux, donc vraiment on te le conseille à 100% si tu viens ici. Cette vidéo se termine maintenant, on se retrouve la semaine prochaine ici à Louxor. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à discuter avec nous en commentaire. De toute façon, on te fera un article complet sur notre blog, sur tout notre séjour en Égypte. Voilà, on te dit à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures à Louxor.